Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur la huitième vidéo de Max. Donc là on s'approche vraiment vraiment de la fin, d'ailleurs je pense que c'est l'avant-dernière vidéo, il me semble, puisque bon on arrive très très proche de la fin là. Donc j'avais récupéré Félix. Et maintenant il va falloir que je me démerde pour virer cette espèce de cage à la con. Donc il va falloir que je me traîne ce petit boulet là pendant un petit moment. Alors, je vais me remonter ce petit truc là. Alors j'ai vu qu'il y avait un succès pour dans ce niveau là il faut pas mourir du tout, et bien sûr pas faire mourir son petit frère non plus. Donc on va essayer le challenge, pas sûr de réussir, parce qu'en général j'ai tendance un petit peu à me casser la gueule. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être assez simple. Il faudra que je tire une liane là-dessus, voilà. Hop. Voilà, comme ça en attendant il me retient Félix, parce que je vois pas trop... Ah ok, bon il aurait été retenu de toute façon par la petite barre en bois là. Alors pour une fois je vais essayer de me concentrer un petit peu pour pas faire de conneries, mais bon. C'est vrai qu'en général j'ai tendance un petit peu à me casser la gueule. Bon bah ça va, ça reste relativement très très simple. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris un petit peu les mécanismes, ça va assez vite, hein. Ils ont pas mis une difficulté trop rehaussée. Mais ça reste vraiment super sympa à jouer quoi. Je vais vous avouer, franchement, ça me fait presque chier que je vais le terminer, là. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Parce que je me suis vraiment attaché à ce jeu, quoi. Non, faudrait peut-être d'abord que je monte ce truc. Et que je foute la liane directe. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Ah bah là, remarque, il y avait le petit truc qui retenait en haut. Voilà. Ça, c'est good. Je vais me retirer la liane. Bon, le mieux, ça serait de pas tomber. Je vais remonter le truc, mais un peu plus bas. Voilà. Je pense qu'il faut que je réjecte un petit peu la boule avec la flotte. Allez, pousse-le. Voilà. Je crois qu'il allait pas passer là avec l'espèce de petite barre en bois qu'il retenait là. Bon, là ça se complique un petit peu plus. Donc j'imagine que ça c'est que des lianes. Ok, je vois à peu près le truc. Bon, de toute façon on va voir au fur et à mesure. Donc il va falloir que je le rattache avec les deux autres, que je coupe la liane du haut pour refaire retomber un petit peu le truc. Enfin, faut que je pense à descendre en même temps aussi. Voilà. Bon, au moins j'ai mis plusieurs sécurités. Bon, j'espère que je me suis pas pris comme un manche. Parce qu'en plus, vu le truc de lave qui est en dessous, à mon avis, je vais pas faire long feu. Bon, le coup, ça va être de pas se mélanger les pinceaux là avec, avec toutes ces lianes. Ouais, je vais couper là, comme ça je vais essayer de passer de l'une à l'autre.
plus ça tank pas mal. Hein. Oh putain. Bon déjà eux je vais les éliminer. Voilà, ça c'est fait. Le problème qu'il y a, c'est que si je descends trop, ça risque de descendre un petit peu le niveau. Donc je risque de plus voir la boule, et pour couper la liane du haut, je risque de t'emmerder. Bon, on va tenter l'affaire, on va bien voir. Je vais essayer... Ah bah voilà, non, si, il y en a une là, je suis con. Je vais essayer de me raccrocher là. Comme ça, je pourrais rester un petit peu en hauteur. J'essaie de la faire balancer un petit peu plus. Ah, remarque, je peux peut-être aller jusqu'au... Ouais, je vais pouvoir y arriver. Comme ça, au pire, je me suspends dessus. Et je coupe les autres. Quoique... Non, je vais peut-être me balancer direct comme ça. Ah, je sais pas, j'hésite. Ouais, non, le mieux, je pense que c'est je me suspends, parce que sinon, si je coupe, je risque de me casser la gueule direct. Oh, putain. Oh, c'était juste, hein. Franchement, c'était, je crois que j'ai eu du cul quand même sur le coup. Je suis pas sûr que c'était exactement comme ça qu'il fallait faire, mais c'est passé, c'est le principal. Parce que là, c'est passé de justesse. Hein. Alors... Ouais, j'aurais peut-être dû tirer la liane avant de balancer la boule. Parce que là du coup ça risque de me faire un petit peu loin. Ah bah non, c'est passé. Est-ce que je vais pouvoir avoir le petit truc là-bas? Bon bah c'est nickel. Bon, maintenant faut que je recommence pour passer en haut. Ah putain, il veut plus bouger maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais le tirer un peu. Par contre, j'ai intérêt à faire vite parce que, à mon avis, voilà, nickel. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis pas mort une seule fois. Et ça serait bien que ça tienne jusqu'au bout. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Ouais, comme ça, ça va me péter ça en face. Ah non. Ah, ça va. Putain. Heureusement, parce que sinon il est tombé dans le vide direct. Hein. Bon, ça je vais remonter en haut. Voilà. Là je saute et c'est bon normalement. Voilà, nickel. Alors, ça fout un petit peu en stress parce que du coup j'ai peur de perdre. Ça me fait chier, j'aimerais bien avoir succès. Là. Mais bon, je suis pas sûr que... Bon, en même temps, bon, c'est pas grave. Si je l'ai pas, j'en mourrai pas non plus. Je suis pas un chasseur de succès non plus, donc... Ok, d'accord, ça c'est une branche, hop. Ok. Je serais pas étonné qu'il y ait un truc là-haut encore. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment des petits passages partout, quoi, et des fois la caméra ne nous fait pas vraiment voir qu'on peut monter ou descendre. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Donc le mieux c'est d'aller vérifier. Enfin si je peux y aller. Je pense que oui. Et ben voilà. Et c'est souvent comme ça. Des fois, dès qu'il y a un petit creux quelque part, vaut mieux vérifier. Alors bon, ce qui est con, c'est que des fois on va tomber dans le vide. Et on va claquer quoi. Mais bon, ça vaut le coup d'être tenté. Parce que du coup, ça peut permettre de...
Ça peut permettre, comment ça s'appelle, de trouver des plantes ou des morceaux d'amulettes. Mais je fais n'importe quoi, putain, je suis con. Non, il faut que je retire la branche. Voilà. Je vais mettre la corde, rattacher dessus, je coupe la corde et ensuite je monte. Et je remets la corde pour pouvoir monter là-haut. Voilà. Surtout qu'en plus j'ai déjà eu ce genre de petit plan quoi. J'ai pas pensé de suite. Bon, je vais couper ça, je vais redescendre comme ça. Bon, même un saut, je pense que ça aurait suffi. Allez, on va repartir. On va pas trop traîner non plus parce que j'ai hâte de le sortir d'ici. Ah putain, j'arrive plus à redescendre. Ah si. Ah oui, des fois c'est chiant parce que dès qu'on saute à côté d'un rebord, en fait, il se rattache direct. Alors ce qui fait que du coup, ça peut nous emmerder un petit peu, ça. Bon, c'est un petit détail, mais c'est pas bien grave. Hein. Franchement, ça nuit pas du tout au jeu. Hein. Même si ça peut être un petit peu énervant par moment. Oh putain. Heureusement qu'il s'est pas pris la bombe dans la gueule, lui. Alors, comment je vais faire ça? Ouais, je vais tirer la. Je vais. D'accord, ok. Je vais tirer la branche au milieu. Et je vais la relever avec l'espèce de machin qu'il y a. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'ai le temps de pas me prendre la bombe dans la gueule. Parce que sinon, je suis mort. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire un sans faute pour essayer d'avoir ce putain de succès. Non, 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 il va péter. Oh, putain, c'était juste. Hein. Voilà, comme ça, je peux les péter tranquille. Hein. Enfin, si je vise bien. Ah, bah en plus, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit passage là-haut. J'avais même pas fait gaffe. Bah ça se présente plutôt bien. Je me suis fait mon petit pont. Parce que je pense que la distance aurait fait un petit peu juste pour sauter. Ah bon, valait mieux être sûr, hein, j'avais pas envie de faire un saut, péter la gueule et recommencer, ou voire mourir, parce que des fois qu'on tombe d'un peu haut, on peut crever aussi. En fait, ça dépend, parce que des fois je suis tombé de haut et je mourrais pas, et des fois oui, donc ça j'ai pas bien compris quoi, mais bon. Vous voyez, en plus je fais n'importe quoi, je pète le truc et je refais exactement la même connerie. Et je ne suis pas mort, et tant mieux. Donc lui je vais aller chercher, on va se le monter là-haut. J'ai fait mon petit pont. Ah mais du coup ça risque de bloquer avec la branche. Oh bah non, c'est bon. Et merde. Non, j'ai fait le con. Voilà. J'avais un petit peu peur qu'il retombe, mais bon, ça va. Vu que j'ai arrondi un petit peu la branche, ça va, ça l'a bien retenu, quoi. Ça va encore, c'est pas trop tendu, hein. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire même. C'est pas comme les trucs là où il y a ce monstre qui vous poursuit, là où il faut speeder, tout ça là, ça vous fout beaucoup plus de pression. Là ça va parce qu'on a plus le temps quand même de réfléchir. On peut s'arrêter et tout ça, quoi, donc ça va quoi. Parce que sur les moments où on est poursuivi, là, c'est vraiment le why quoi. C'est vraiment le gros dawa quoi. Et ça fout bien la pression quoi. Et du coup, bah, on a tendance à faire des conneries. Puis je vous dis après, bon bah maintenant c'est sûr j'arrive sur la fin quoi, et quand on commence à connaître les mécanismes ça devient moins compliqué quoi. Alors donc faut que je pète cette porte. Oui bon bah là ça me paraît pas trop compliqué. Donc il faut que j'essaie de foutre une branche le.
Non, pas comme ça. Non, il faut que je la foute un peu en trempe. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, moi j'essaie de rattraper là. Ouais, d'accord. Et merde, je me suis loupé. Voilà. Et je vais la couper au bon moment quand le truc il va sortir. Voilà. Sauf que je l'ai fait trop bas. Ma branche, je l'ai pas assez montée. Ok. Ah putain, j'arrive pas. Ça me gêne ce truc là. Ah bah voilà, là ça devrait être bon là. Allez, on va essayer de le rechoper au vol. Voilà. Et merde. Ah putain, faut que je le pousse. Mais je pense que ça doit être à peu près ça. Hein. De toute façon, je vois pas quoi. Oh bah. J'ai même pas eu besoin de l'alien. Hein. On va aller pour manger encore un petit coup de cul. J'ai l'impression que la chance est avec moi. Je vais peut-être avoir mon succès tout compte fait. Pour une fois, j'ai un petit peu de chance. Peut-être un peu trop, mais à mon goût. Disparu en lave. Ah bah j'ai eu le succès, vous voyez. Fais-moi confiance. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai réussi à faire le niveau sans crever quoi. Alors il y a quelques autres succès comme ça à avoir où il y a 50 points à récupérer où justement il faut pas mourir dans certains niveaux. Bon bah là c'est la fête du slip là, il m'a retaxé Félix et en plus je me... Non putain, j'avais pas vu le bordel en bas. Donc il m'a retaxé Félix et en plus je me fais poursuivre par ce putain des salopards des merdes. Bon là le moment c'est... il va falloir que je speed là. Putain c'est chaud, je sais pas, c'est ce qu'en plus je vous en parlais tout à l'heure là, c'est les niveaux où ça fout bien la pression là et en général je suis assez mauvais sur ce genre de truc. Donc là j'imagine qu'il devait y avoir encore un fameux succès où il faut pas mourir. Mais bon là déjà c'est foutu parce que je suis déjà mort une fois. Et ouais vas-y fais le con toi, fais le con avec mon petit frère là. Ah ouais ok d'accord. Donc il faut que je tire dessus, il faut que je tire sur la porte. Bon ça va. Ça va, ça reste honnête. Maintenant faut que j'ai speed. Il me fait chier depuis le début du jeu celui-là, il peut pas crever. Alors, il s'énerve là, il s'énerve le... Bon, je fais quoi maintenant? Parce que là, je suis comme un con là. Ah putain, j'avais pas vu ce truc là, putain. Oh merde! Bon, ok. Bon, je me suis pris un peu tard, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait le truc dans la lave au début. Hein. J'étais concentré sur la hauteur, pas ce qui se passait dans la lave. En fait, j'ai une espèce de petit machin que je peux remonter là. Ah ouais mec. Ça va pas être terrible de crever là-dedans quand même. Ça doit... Ah putain, dans les jeux je déteste ça. Quand vous... Ah non, alors ça c'est vraiment le genre de truc. Je m'en souviens, c'était sur Super NES quoi. Des jeux comme ça, des trucs comme ça dans des jeux, il y en avait plein. Où il fallait se barrer en fait parce que soit il y avait le niveau de l'eau qui montait, de lave comme ici. Et ça me... c'est... Putain. En plus c'est rapide. Ah merde, putain je me suis pas barré du bon côté. Bon ça commence mal là. J'essaie de me concentrer. Hein. Ah mais non, putain, deux fois de suite quoi. Ça m'a l'air super speed. Hein. Putain, il est pas super rapide en plus, hein, bordel de merde. Oh, ça m'a chauffé l'oignon là. Oh putain. Je la sens pas du tout l'affaire. Eh ben j'ai vu qu'il fallait courir là. Je fais que ça courir.
Ah, c'est clair que je vais pas descendre. Hein. Oh putain, les enfoirés. Ah, heureusement qu'il y a ralenti parce que sinon je crois que j'étais foutu. Oh putain, c'est quoi ces trucs encore? Oh, c'est chaud. Ils sont chauds bouillants là. Merde, 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 non! Ah putain, j'ai trop hésité en fait quoi. Ça sent pas bon. Et à quoi il sert le truc de l'autre côté là? J'ai pas pigé. Ouais bah à l'aide, j'essaie déjà de me sauver moi. Ce qui est déjà pas évident. Des salopards, je vais me faire cramer, c'est obligé, c'est obligé. Oh putain, oh, c'est juste. Oh putain, les enfoirés. Bon bah écoutez, je crois que si je m'en sors, je me casse. Allez, j'ai réussi. Ciao, à bientôt.